C'est la troisième édition aujourd'hui. Troisième édition, on a eu 2014, 2015, 2016. On est content parce qu'on monte d'année en année en nombre de participants. Ce sont donc les 7 CMCAS de l'Île-de-France qui se regroupent pour pouvoir proposer aux enfants des bénéficiaires des spectacles qui sortent un petit peu du cadre habituel de ce qui peut être présenté de type spectacle billetterie. J'ai trouvé ça assez fort, assez émouvant. C'était drôle. C'était sympa. Après le spectacle, il leur a montré l'envers du décor, en fait, donc toutes les petites trappes et toutes les choses qu'il actionne pour faire. C'était pédagogique en même temps, c'était très sympa. Après, avec les petits, j'utilise plein de petits boutons pour allumer les lumières, faire marcher les choses qui vont atteindre la lumière. Au tout départ de l'histoire. Ça, regarde, c'est quand même des anciennes poupées, hein. Tu vois? En fait, t'as coupé. J'ai coupé la tête. Et ça, regarde, t'as vu? Ah, ça, c'est l'arrière des yeux d'une poupée. Moi, j'avais vu que c'était de la peinture, moi. C'était de la peinture. C'est pas du réalisme. Il avait trempé de la peinture son doigt. On adore, c'est vraiment bien d'avoir les spectacles comme ça. Les gamins, ils sont libres. Voilà. Et puis, il fait beau tout le temps, donc c'est chouette. C'est la journée des enfants, donc qu'ils en profitent. Le centre est génial. Et puis une bonne ambiance. Il y a un peu de tout en termes de spectacle. Enfin, vraiment, c'est une date à pas rater. Alors ici, vous êtes devant le stand des kaléidophones portatifs. Les kaléidophones portatifs, contrairement aux autres kaléidophones, aux autres sculptures monumentales, donc le grand bouquet dodécaphonique, le binoriculaire panaphonique, le mélangeur tritonal, et puis le réverbérophone qui se trouve là-bas, donc comme son nom l'indique, accroché à son réverbère, et qui vous transforme n'importe quel réverbère urbain, eh bien, en point d'ouïe. Avec le modèle portatif, c'est vous finalement qui allez directement traverser le paysage et vous promener. On est dans le tableau, mais en fin de compte, on ne voit pas les bruits, mais on entend tout. Tout ce qui se dit. On s'amuse bien. Qu'est-ce que t'as fait tout à l'heure? T'es allé dans la piscine, hein? Doudou! Et t'as fait la pêche au... au canard! Toi. Hop, une grenouille!
arrive sur la voiture, ma mère, il est démoniaque. Mais s'il bouge pas, démoniaque. Il n'aurait pas compté qu'un seul de wagon. On dirait qu'il veut faire le record du plus triste. On a l'habitude de venir ici à la ville du bois avec toute la famille. On connaît bien ici. On aime bien. On retrouve certains collègues en plus. Des collègues qui sont à la retraite, des collègues qu'on n'a pas vus depuis longtemps. Et puis, bah, c'est un moment convivial. J'ai accroché une étiquette sur l'arbre. Qu'est-ce qu'il y a marqué dessus ? Plaisir. Ça t'a mis plaisir ? Ah, bien. Bien ? Tu arrives pas. Allez, doucement. Ok, ça bouge. Ok, tu la mesures. Là, direct. Tu veux quoi comme tu veux ? La gantienne. Comme ça, avec des... je coupe mes fruits. Hop, je me fais un bon fruit aussi. Tous les matins. Avant d'aller à l'école, super. Franchement, c'est un événement qui est très sympa. Tout est concentré au même endroit. On passe une bonne journée. C'est hyper sympa. Il y avait une marionnette qui n'a pas de tête et donc elle se crée pendant le spectacle une tête. Voilà. C'est donc ça. On fabrique une tête et après il lui arrive des aventures. C'est la prise de pouvoir qui... Ouais, c'est un jeu de pouvoir, en fait, entre la marionnette et les marionnettistes, et qui manipule qui. Ça passe, c'est bien. Alors, que tu... regarde, il y en a d'autres que tu peux couper encore. Donc, ce soir, ça soit un peu plus arrondi. En rond ovale. En rond ovale, c'est très bien, voilà. Elle est belge. Tu colles, mais tu colles pas jusqu'au bout. Tu colles le bout et comme oui, ça, voilà. Après, elle a des cheveux. C'est plus rigolo. Donc. C'est bon, ça suffit. Accepte encore, ça va.